Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. On m'a dit qu'il était recherché jusqu'en Belgique. Si vous ne vous excusez pas, quelqu'un viendra chez vous. Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février 2023, Faustine, 18 ans, décide d'écrire le récit d'une soirée dans une discothèque de la région parisienne. La fête bat son plein. Elle ne savait pas que d'ici quelques jours, elle recevrait des centaines de messages injurieux et menaçants à cause de la vidéo qu'elle s'apprêtait à publier. Cette nuit d'hiver, la jeune fille s'est attirée les foudres de Bassem Breki et de ses partisans, la team Irib, TH. L'influenceur est présent sur les réseaux sociaux depuis au moins 2015, rassemblant une large communauté de plus de 500 000 abonnés sur toutes ses réseaux sociaux. L'homme de 40 ans, connu pour ses explosions de colère contre les auteurs de l'attaque de 2015, ses passages à tabac contre M. Sadek et ses demandes d'expulsion des squatteurs, apparaît régulièrement dans les pages news et people des journaux nationaux. C'est vivant. Ou encore les médias dans sa ville natale de Lyon, où son caractère, sulfureux, ou controversé, est mis en avant. Le reste du temps, il se livre à des activités routinières peu médiatisées. Ses haines en ligne, organisées et renforcées par la création de son compte Telegram. La démarche est toujours la même. Affiche les coordonnées de la cible, l'insulte, appelle au cyberharcèlement, et même la dénonce. Inquiet, les groupes SOS Racisme, Moz et Stop Homophobie ont déposé deux plaintes contre lui en avril 2023. L'un était raciste et l'autre homophobe. Le 13 février 2023, le nom de Faustine s'ajoute à la longue liste des victimes lorsque Bassem télégraphie son journal du soir vers midi. Ce qui a